Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis que nous savons que l'univers est vaste, sinon infini, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser que nous n'y sommes pas seuls. Mais force est de constater que si nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes très probablement pas non plus, et localement du moins, très nombreux. Notre civilisation est finalement très récente si on la compare à l'âge de l'univers. Jusqu'au Moyen-Âge, au moins en Occident, l'homme se considère comme la créature préférée de Dieu, qu'il aurait fait à son image et lui aurait donné la terre et tout ce qu'elle contient en gérance. Et cette terre est évidemment au centre de l'univers, car à l'époque, c'est autour de la terre que l'univers tourne et non l'inverse. Fort heureusement depuis, la science a fait évoluer cette pensée. Bienvenue dans la Voie lactée, notre environnement au quotidien. Notre Soleil est l'une des quelques dizaines de milliards d'étoiles de cette galaxie. L'univers est formé de milliards et de milliards de galaxies. Mais jusque où s'étend-il? Il est impossible de le mesurer en kilomètres, les valeurs n'auraient aucun sens. Dans l'espace, l'unité de mesure des distances est l'année-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an. Celle-ci voyage à quelque 300 000 km par seconde. Une année-lumière représente donc près de 900 milliards de kilomètres. La lumière met 100 000 ans à traverser que notre galaxie, autrement dit, chaque fois que nous regardons les étoiles, nous remontons le temps. Nous assistons donc à des événements qui se sont passés avant même que la Terre existe. Avec un tel terrain de jeu intergalactique, on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il y a finalement plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et les déserts de la planète Terre. Les Terriens ont-ils alors encore une chance d'être les seuls habitants de l'espace? Durant des millions d'années, nous avons cru que nous étions uniques, mais les scientifiques ont fait des découvertes surprenantes sur Terre, le système solaire et l'espace lointain. Certains d'entre eux pensent que notre premier contact avec des extraterrestres pourrait avoir lieu dans quelques années. En parallèle, nous, humains et dotés d'intelligence, avons ouvert nos esprits et agrandi nos connaissances, agrandi nos recherches pour comprendre le passé de notre planète, sa position et la nôtre sur ce point bleu. Néanmoins, notre curiosité nous pousse à découvrir et à rechercher cet élément essentiel pour répondre à la question la plus controversée de la planète. Sommes-nous seuls? Le cinéma s'est emparé dès ses origines de la figure de l'extraterrestre, comme de la question du contact, de l'impact qu'aurait celui-ci avec la population, faisant apparaître tour à tour les aliens comme parés de toutes les fonctions même de l'altérité, cauchemardesques, apocalyptiques ou bienveillantes. Les extraterrestres du cinéma sont un facteur pouvant assouvir son penchant inavouable pour l'occulte et les phénomènes inexpliqués. Mais c'est surtout l'occasion de montrer d'autres modes de pensée, par exemple plus neutres, pour critiquer les humains ou une partie d'entre eux. Figure incontournable de la science-fiction, l'extraterrestre nous terrifie, nous fascine. Il est le petit visiteur gentil, celui qui nous apprend et nous fait progresser, mais aussi l'agresseur méchant, qui ne pense qu'à nous conquérir et nous exterminer. L'extraterrestre, finalement, c'est l'autre. Il est, par définition, celui qui n'habite pas sur Terre. L'extraterrestre pousse l'homme à s'interroger sur ce double qui lui ressemble. Des dieux grecs, aux anges et aux génies de la lampe, l'homme a toujours eu besoin de donner un visage à ceux qu'il ne connaissait pas. Il existe deux types d'extraterrestres dans la science-fiction. Le gentil tout d'abord, il est de la taille d'un enfant, pointe son doigt vers le ciel en disant « maison, ici, téléphone, maison ». Et parfois, il cherche à communiquer. Il vous regarde avec ses grands yeux mouillés et vous montre ses mains pour prouver qu'il n'est pas armé. Il est tombé par hasard sur Terre ou compte repartir de sa gentille visite de courtoisie. Le méchant, quant à lui, il vous terrifie. Il vient vous envahir, il vient s'installer chez vous sans même que vous ayez votre mot à dire, sans prévenir, provoque des dégâts incroyables et la panique. Deux possibilités existent, soit celle que nous sommes seuls dans l'univers, soit celle que nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Et si Hollywood savait? Et si le cinéma n'était pas seulement une usine à rêves, mais également un médium utilisé par des initiés pour lever le coin du voile et nous faire toucher du doigt une autre réalité au travers d'images et de dialogues.
Au final, si nous colonisons un jour une planète habitée, serions-nous un gentil ou un méchant extraterrestre? Et surtout, pourquoi? Votre avis m'intéresse pour une future vidéo, donc laissez toujours votre marque en commentaire. Depuis la réalisation du célèbre film de science-fiction Rencontre du Troisième Type à aujourd'hui, avec pour exemple la réussite cinématographique de Signe, d'Interstellar que j'ai adoré, Passenger ou encore Avatar, notre imaginaire nous emmène dans des scénarios dignes de simulations réelles en cas d'invasion, d'exploration ou de cataclysme planétaire. Bien que, soyons réalistes, dans ces films, la finance, la réalisation, la façon tant pour la technologie que pour l'humain est toujours vite trouvée pour un voyage au-delà du système solaire. Tandis que dans la vie réelle, c'est sensiblement différent et compliqué. Par contre, pas mal de films inspirent la réalité avec le temps. La science-fiction est-elle finalement au service de la réalité ou est-ce l'inverse ? Forcément, réaliser un voyage vers une seconde planète habitable impose une autre question. Et si celle-ci était déjà habitée ? Quels sont les moyens actuels pour la détecter dans cet océan d'étoiles ? Quelles sont les technologies qui nous permettraient de communiquer avec celle-ci, voire avec l'humanité une fois arrivée à la destination ? Comment survivre dans l'espace durant la durée du voyage et quelle serait cette durée ? Cela fait beaucoup de questions et j'en ai encore plein. Mais voyons voir, en partant déjà du point de départ. Voici la Terre. C'est ici que nous vivons. Que depuis des millénaires, nous habitons et mourrons. C'est là que tout ce qui nous divise et nous unit existe. Le vivant dans toute sa biodiversité. La guerre, la paix, chaque héros, chaque peuple, chaque couleur et religion, chaque frontière, chaque différence est sur cette planète. Aussi seuls que nous nous sentons, nous sommes au final juste là, ensemble. La Terre appartient à un système, celui du Soleil. Et à quelques années-lumière de là, il y a Zétalie, une planète deux fois plus grande que la Terre, où la vie existe car elle est dans la zone habitable de ses étoiles. Oui, car elle a deux étoiles. Vous avez envie de savoir la suite ? Sans vous en rendre compte, vous voilà déjà embarqué dans un voyage interstellaire.